Dans cette vidéo, je vais te montrer le meilleur parcours d'Aim, d'Edit et de Build pour devenir meilleur très rapidement. Mais comme d'hab, tu connais le dicton, n'hésite pas à laisser un maximum de pouces bleus et à mettre mon code créateur. Salut à tous, c'est Banner sur PG Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo en live sur Fortnite Battle Royale. Donc n'hésite pas à laisser un maximum de pouces bleus, ça me fera extrêmement plaisir. N'hésite pas également à souscrire à ma chaîne YouTube, à te sub, enfin bref, que du bonheur. Dans cette vidéo, je vais vous faire un tuto. C'est le meilleur parcours d'Eddie, Dave et de Bill. Tu vas voir, c'est juste insane. En l'espace de 20-30 minutes, tu vas pouvoir t'entraîner et t'améliorer et surtout t'échauffer. Donc ce parcours, tu peux le faire rapidement. En l'espace de 15-20 minutes, tu peux être échauffé. Mais si tu veux t'entraîner, tu le fais pendant une heure et tu vas voir, c'est insane. Donc j'ai rassemblé plusieurs maps, ça marche également avec d'autres maps. Donc si toi t'as d'autres maps de Raider, de Freezer, de TA2 ou de autre, n'hésite pas. Dans cette vidéo, je vais te montrer qu'en peu de temps, tu peux vraiment t'entraîner et surtout t'échauffer. Car oui, quand tu lances la première partie de la journée, t'es un peu pas chaud, ta mémoire musculaire n'est pas au top. Donc là, je vais te montrer les maps. Donc si je suis pas au top, c'est normal, ça fait quelques jours que j'ai pas joué. Et tu vas voir qu'à la fin de mon entraînement, je serai beaucoup plus rapide, beaucoup plus stable. Et dès que je vais aller en ligne, et ben je serai déjà 3 kilos la belette, je vais pas stresser, je vais être en forme, je serai déjà rapide dans mes edits, build, dans mon shoot. C'est pour ça que tu dois toujours, mais toujours t'entraîner avant d'aller en ligne. Même si t'as peu de temps, faire le parcours d'aim, de build, d'edit, c'est la base. Donc comme je dis, n'hésite pas à me défoncer cette barre de pouces bleus. Ça fera extrêmement plaisir et ça permet de me soutenir, surtout que là j'ai trouvé des maps, mais juste magnifiques. La première, je crois, c'est une map qui entraîne un peu tout de Freezer. Ensuite, il doit y avoir une map de Théado, une map de Raider et à la fin, bah, on finit en solo build, hein, c'est logique quoi. Et si t'as le temps, tu peux également faire du box fight ou du build fight, mais le solo build, c'est aussi bien. Donc pour résumer, ces maps vont te permettre de t'améliorer, de t'entraîner en un minimum de temps, vraiment de manière très efficace. Si jamais tu t'entraînes que 15 minutes, ok, tu vas pas forcément énormément t'entraîner, mais tu vas surtout t'échauffer pour être chaud en ligne. Et ce que je te conseille, si tu as du temps, si tu veux vraiment t'améliorer, c'est que tu fais pendant 30 minutes, 1 heure minimum, et tu vas voir les résultats. C'est juste incroyable parce que ces maps sont faites par des personnes quand même assez bons dans la matière, qui proposent des maps qui permettent de t'améliorer énormément. Moi, je me rappelle qu'au début du jeu, il n'y avait pas tout ça, donc pour devenir meilleur, c'était dur, c'était long, tu pouvais pas claquer des doigts et être fort. Maintenant, à l'espace d'un mois, si tu fais ces maps tous les jours pendant 30 minutes à 1 heure, ok, ça prend du temps, mais tu vas déjà devenir aussi fort que les joueurs moyens qui jouent depuis 2 ans, quoi. On va arrêter de parler, comme d'habitude, les intros sont un peu trop longues, on va direct tester la première map, hein. Je vous conseille d'alterner, pas faire toujours les mêmes maps, hein, parce que tu vas pas me dire, ouais, c'est trop bien, je la fais trop rapidement, la map. Non, le but, c'est pas de la faire rapidement, c'est vraiment de la faire de manière à t'entraîner au maximum, et une fois que t'es bien entraîné, que tu connais bien la map, tu changes de map, etc. Et il faut que dans tes maps d'entraînement, il y ait au moins l'aim, même si t'es hyper fort en aim, comme moi, je vais pas me jeter des fleurs, mais je vais quand même faire l'aim, le build et l'edit. On entre le code de la map, map créée par Freezer, hein, je vous mettrai le lien en description si j'oublie pas. Franchement, ce mec, il fait des bons tutoriels, il donne des bonnes astuces, il crée également des bonnes maps. On va aller dedans et on va voir ce que ça donne, hein. Je vais être pas très chaud au début, mais c'est pas grave. C'est le but de faire le meilleur parcours, c'est pour ça qu'au début, tu dois toujours échauffer ton aim, ton build, ton edit. Et après, tu fais du solo build et tu vas voir que ça va aller tranquillou la belette. Donc, soutenir un créateur, n'hésitez pas à mettre RPG Gaming FR. Hein. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui le mettent, mais ça fait super plaisir. Je fais carré. Moi, par exemple, hein, pour prendre mon cas, je fais pas forcément toujours les mêmes maps. Mais certaines maps sont récurrentes, comme la map de Raider pour remplacer les walls, parce qu'il faut que je m'entraîne à la faire. Et donc, celle-là, eh ben, je la mets toujours en dernière. Mais au début, soit je fais une warm-up de Théado, de Freezer. Enfin, j'alterne pour pas que ça soit récurrent et que je m'entraîne vraiment. Je vous conseille de prendre des armes qui sont dans le jeu. Donc, celle-là... Ouais. Celle-là, peut-être... Y a pas de petit AR? Tranquille? Non, c'est bon, c'est pas grave, je l'ai déjà dans l'inventaire. Je suis con, gros! Voilà, j'organise mon inventaire. On va s'entraîner vite fait, hein. Je vais pas tout vous montrer parce qu'en plus, là, j'ai changé les joysticks, je vais plus aller à merde. Tu vois, c'est vraiment de s'entraîner. Pas besoin de le faire le plus rapidement possible. C'est vraiment... Là, j'ai pas joué depuis je sais pas combien de temps. Je suis pas chaud du tout, mon gros. Hein. Je suis pas en nightlight, là, tu vois. Mais tu vois que c'est trop bien le linéaire. Gros, je suis trop lent. Et boum, t'en sors la folle. Et cette map, elle est vraiment cool. Elle t'entraîne à faire des double edits, des triple edits. Hein. N'hésitez pas à la faire. Hein. Le code, de toute façon, il est en haut. Et tu vois qu'en linéaire, oh, ça change tout, gros. Ça change tout en linéaire. Là, c'est le truc... Oh, j'ai la flemme, gros. Bon, il faut que je m'entraîne à tout, mais j'ai quand même la flemme. C'est pas où faut aller. Comme ça. Oh, je suis lent, gros. Je suis lent. Je ferai pas un bon joueur pro, moi. Ah, j'ai du mal à parler en même temps. Hop, hop. Oh, j'ai 4 B. Wouhou! Tu vois, faut vraiment trouver tes mécaniques.
J'ai la flemme de faire la suite, hein, ok. Allez! J'étais lent, moi, et là, je suis déjà beaucoup plus rapide, hein. Faut pas oublier que j'ai pas joué de la journée, donc ça va être chaud. Les 90, on connaît ici la famille, hein. Tranquille, les petits 90 qui passent crème. Est-ce qu'on fait des 90 infinis? On est trop chaud, gros. Olé! Bon, je suis lent, là. Là, clairement, je suis lent, hein, le temps de m'habituer. Franchement, au début, c'est chaud, les marrons. Hop, on arrive directement là. Il nous met bien, il nous ralasse, comme on dirait dans le milieu. Un peu le shoot. Bon, là, faut shooter les cibles. Oh lolo, oh, c'est chaud au début. Oh lolo! Oh là là, je suis à peine... Ah, mon shoot. Mais mon shoot est pas mal, mais c'est le tracking où je suis vraiment bon. Là, j'ai dit vraiment... Ah, j'avais oublié qu'il fallait mettre ça. Ah, elle est franchement propre, sa map. N'hésitez pas à le remercier parce qu'il fait vraiment des bonnes maps. Bon, là, je me chie un petit parce que je discute, mais... Faut essayer de pré-shoot les edits, tu vois, gros. Hop. Bon, je suis pas un joueur pro, hein, clairement. J'édite pas comme un professionnel, mais d'habitude, j'édite 3 fois plus rapidement. Mais là, je te dis, je m'entraîne en même temps que vous, quoi. c'est chaud, gros. Hop là. Bon, je vais pas vous mettre tout non plus, hein. C'est pas le but que je vous montre comment j'édite et tout. Ça sert à rien, tu vois. Le but, c'est de s'entraîner. Donc, n'hésitez pas à faire cette map ou d'autres maps. Je mettrai le lien des codes dans la description, bien évidemment. Déjà, là, je vois que je gagne en rapidité. C'est vraiment cool. T'arrives là, hop, t'édites. Tu fais ça, hop là. Putain, j'étais lent avant. J'étais une vraie merde. Hop là. Putain, franchement, je kiffe le mode lumière. Enfin, bref, t'as compris le concept, hein. On va juste lui faire une édite avant de se retrouver à la prochaine map. Comme ça. On se met où? On se met là. Hop là. Et fouilla! On va passer tout de suite à la seconde map. Donc, c'est une map de Théado. On va voir. Hein. Je sais plus c'est laquelle exactement. On va entrer le code. Hop là. Théado, il V5. Une très bonne map. J'espère que tu as laissé ton pouce bleu quand même et que tu t'es abonné. Parce que là, hein, je m'entraîne et je fais une vidéo pour vous aider. J'espère qu'au moins t'as fait ça, poteau. Hein. Ah, c'est bon. On arrive sur la map. Ah, c'est une map. Oh, franchement, elle est correcte. Elle est clairement carrée, la map. Tu peux tellement t'entraîner. Un conseil, prends pas des armes qui sont pas dans le jeu. Ça va pas t'entraîner. On va prendre des armes que t'as souvent dans le jeu. En plus, on peut changer la rareté. C'est trop cool. Changer la rareté. Oh, franchement, elle est kiffante. Franchement, oh my god. T'arrives là. Ah, tu veux pas ça? Hop là, tu changes la rareté. Tu fais ça. Ping, ping, ping. Ouais, c'est trop cool, gros. Franchement, elle est propre, cette map. J'avais oublié qu'il y avait autant de trucs. On va voir un peu les games qu'il y a. Elle est très, très propre, la map. Rain, c'est quoi ça? Ça? Oh! Oh, trop cool! What the fuck? Oh, ils arrivent d'en haut, c'est trop chaud, gros. Eh, mais il a cru que j'étais un G4B ou quoi, là? Allez! T'as même pas le temps, en fait. Bon, le but, c'est pas que je fasse la map, c'est de vous montrer. Reset, tu peux même reset, gros, trop cool. Il y a quoi d'autre? Reaction, ok. Bon, c'est pas la meilleure map d'AIM de Théado, mais c'est une map où tu peux entraîner l'aim, le bid et l'edit. Ah, c'est cool ça, tu peux entraîner quoi? Ah, d'accord, tu peux entraîner tes 90, ton solo build. Déjà là, je vois que je suis déjà un peu plus réactif, oh, Glow. Est-ce que ça va passer, Glow? Est-ce que ça va passer? Oh my god, Glow, go les gars! Putain, est-ce que tu peux descendre? Hop là. Tranquille, pas de dégâts dessus, tu peux arrêter. Allez, on retourne à la couille. On va faire un peu la map warm-up, hein, pour voir ce que ça donne. Edit. Ah oui, voilà. Carré, gros. Carré. Start at the top. Let's go, let's go. Et ouais, j'ai un putain d'accent en anglais. Et voilà, nickel. Ah, et là, on peut éditer tout. Oh, c'est trop frais, gros. C'est trop frais. Ah, je bug. Seulement, j'avais la fibre, je pourrais éditer trop rapidement, gros. Allez. Edit. Connexion de fils de mouette, là. Oh là là. Glow, ils abusent là, ils abusent. Par contre, ouais, faut que je m'entraîne parce que là, je suis pas chaud, je te le cache pas. Et à force de faire ça, tu vas voir que tu vas bien t'entraîner, hein. Tu vas te l'entraîner. Et c'est parti, les amis. On va s'amuser. Vraiment que j'entraîne mon tracking en éditant, hein, parce qu'il est tellement élevé que. Ouh. Hop les, ah, franchement, c'est cool. Là, t'entraînes ta triple élite, c'est ça? Ah, nice! Franchement, elle est propre, cette map. Je vous la recommande. Je mettrai le lien en description. Putain, je suis lent, par contre, là. Il faut que je m'entraîne, gros. Moi, au début, je te jure, hein, je mets du temps. Hein. Je suis un diesel. Hein. Mais après, ça va franchement plus vite, les edits. Hein. Là, tu vois que ça va déjà un petit peu mieux. Surtout sur les maps, ça bug un peu plus qu'en solo build, vu qu'il y a plein de constructions. T'arrives comme ça. Oh my god, god, god! Hop! Tu fais ça. Tu mets ton piège là. Tu fais ça. Hop, tu reset. Et bing, c'est pas le piège. Bon, là, c'est un bot, mais... Tranquille et... Oh, on va se calmer un peu. Ah, franchement, il y a pas mal d'exercices. Hein. Tu peux entraîner. Hop. T'es pas fluide. Tu entraînes tranquillement. Tu peux faire tout type d'édite. Hop, les.
Bon, la porte, c'était pas prévu, gros. T'arrives derrière, tu peux te refaire des petites édites comme ça. Un peu plus propre, s'il vous plaît, monsieur. Parce que là, ça ne va plus. Une petite édite comme ça. Est-ce que je peux faire une petite édite comme ça en trichant? Hop. Oh, bah oui, tu sais, le gros bâtard. Allez, hop. On va le faire, hein, tout simplement. Bon, on va se lancer la prochaine map, hein. Bon, la prochaine map est aussi une map de Théado, mais vraiment plus poussée en termes d'aim. C'est franchement une très bonne map, même une des meilleures pour entraîner ton shoot, hein. C'est la map que je te conseille quand tu passes en linéaire. Elle est vraiment trop cool, trop stylée. C'est pas pour lui faire de la pub, mais n'hésitez pas à aller voir sa chaîne dans la description. Si j'oublie pas de la mettre, bien évidemment, on se prend ça. Une petite AR tranquille ou la belette. Pareil, je vous conseille de pas prendre de SCAR, mais un fusil d'assaut bleu, parce que c'est rare que t'aies une SCAR. Et vu que c'est pas le même recul, autant jouer avec une arme que tu vas jouer plus souvent. Hop là, allez, gros, allez, voilà. Là, t'as le tracking, vertical. Franchement, elle est propre, cette map. Enable. Oh mon chou. Oh, je crois qu'il est dégueulasse, mon chou, le gros. J'ai un aimbot, j'avais oublié ça. Bon, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Mon linéaire, t'as un moins bon shoot. Ferme ta gueule, gros. C'est quoi ce shoot là? Je te bloque une balle, gros. Bon, on va arrêter, hein. On va pas aller rigoler sur les joueurs PC qui ont pas ce shoot, hein. Horizontal. Il est où le mec? Il arrive où? Ok, il arrive comme ça. Olé, 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 gros. Olé. Oh, mon cracking, gros. Ah. Ah là, j'ai merdé. Là, j'ai merdé. Ah gros, c'est quoi ce shoot? On voit que je viens de me réveiller, hein. D'habitude, j'ai un shoot perfectos. Allez, allez, gros. Oh, je pue le caca. Ah, c'est bon. Putain, je suis pas du tout chaud, là. Y a quoi d'autre? Short stripe. C'est quoi, ça? Qu'est-ce qu'ils foutent, les monstres? Ah, c'est chaud. Ah, t'inquiète, je trouve le coup de main. Je vais le goumer. Voilà, au prochain. Ouais, propre, carré, gros. Carré. Merde! On parle de dromadaire. Allez, hop, ça c'est réglé. Ah, ça entraîne tellement, franchement. Ah, trop cool. Oh, elle est trop bien cette map. En plus, t'as tes points et tout, reset. C'est là-dessus que je me suis entraîné au début pour mon shoot. Ah, gros lot. J'ai 4B. Le but, c'est pas de tout toucher. C'est vraiment de s'entraîner, gros. Allez! Ah, comment j'ai poupé ça? Ah là, on peut pas toucher, c'est un bug. Allez, hop les. Oh, le prix de merde. Oh, j'ai un gogol. Je suis un gogol. Cette map est trop bien, en vrai. Bon, faut franchement la faire plusieurs fois. On va passer à la prochaine map. Et là, tu vas voir que c'est la crème de la crème. Pour la dernière map, on arrive sur une map magnifique de Raider. Et cette map, elle est assez récurrente pour moi parce que je m'entraîne vraiment à faire la mongrel très rapidement. Genre, je mets un escalier, je casse aux pompes et au moment de casser, je mets un autre escalier pour l'édit et mettre une balle. Ou par exemple, je casse le mur, je le remplace, je mets un escalier, j'inverse. Et cette map permet d'entraîner énormément en termes de rapidité pour remplacer les murs, les escaliers et aussi à faire des édits d'armes que je vais te montrer qui sont vraiment sympathiques. Bon, quelle arme on va prendre? Des pièges histoire de... Attends, j'ouvre ça pour voir ce qu'il y a dedans, gros. Oh mon dieu, trop bien, il y a des poiscoles et tout. C'est parti, on va commencer par les édits d'armes. C'est un peu la dernière map que je fais pour m'entraîner avant d'aller en solo build. Et franchement, regarde, les édits sont trop magnifiques, les édits de Raider. Ça entraîne tellement rapidement. Oh. Allez, édite, gros porc. Hop là, faut que j'essaie d'être plus rapide. Moi, ce qui me manque, c'est la rapidité parce que je suis un peu un escalgot. Allez, édite, gros mammouth. Hop là. On arrive là, hop, ça nous remet en haut et là on peut continuer à faire nos édits tranquillou la belette. Ouais, le but c'est pas de le faire le plus rapidement possible, c'est vraiment de t'entraîner à bien faire le mouvement, hein. Bon, je vous conseille quand même de faire un peu plus de solo build parce que ok, les maps édits c'est cool, mais c'est pas ce que tu fais forcément. Hop là, hop là. Ah, c'est chaud de parler en même temps. Hein. Et là tu peux refaire pareil, t'arrives là, tranquille, et là tu vois que je suis beaucoup plus fluide qu'avant. Moi j'étais... vraiment claqué au sol en édite. Et là je suis déjà un peu plus rapide. Bon, je suis encore lent, je te cache pas gros, mais c'est une question d'habitude. À force de m'entraîner, je serais peut-être mon Graal. Bon, j'abuse un peu là. Bon, mon but c'est pas d'aller le plus rapidement possible. Là je vous parle en même temps, j'essaie de vous faire quand même un commentaire plutôt qualitatif. Et donc je me concentre pas sur la rapidité du build. Faut vraiment faire les mouvements de manière très poétique quoi. Vraiment, tu dois faire le mouvement comme ça et pas comme un gros bourrin. Du genre, attends, je vais te montrer, pas du genre, oh, 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 non, pas comme ça. Et je remarque que quand je parle pas, j'arrive à mieux éditer, gros.
Tu vois, là, dès que je parle, bam, je fais de la merde. Et dès que je parle plus, bah, je fais plus de la merde parce que voilà, je suis un joueur pro, quoi. Et voilà, et là, je vais vous montrer, bah, mon petit coup de cœur. Allez, c'est parti. Donc, ils sont où? Voilà, ici, là, tu vas pouvoir trop t'entraîner, gros. Soit tu fais une classique, tu remplaces comme ça. Ça tire à travers le mur? Ah non, j'ai rien dit. Tu fais comme ça, tu fais ça, voilà. Soit tu fais le show. Est-ce que j'ai des pièges? Tu fais ça. Tu te mets comme ça, hop, tu replaces et bing, il le prend. Ou tu fais une petite élite comme ça, tu mets la balle. Bon là, on croit qu'il est encore là, le bot, mais c'est juste un bug. T'arrives comme ça, hop, tu tires dessus, hop, tu remplaces, hop, tu fais ça, hop, et ping. Et ça, je le faisais hyper lentement avant. Ou sinon, tu fais la classique, t'arrives comme ça, tu sautes, hop. Et là, c'est carré, gros. Bon, faut pas louper la balle derrière, quoi. T'arrives comme ça, hop, 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 je peux remplacer aussi à l'air, hop, je remplace, je fais ça. Après, le top, c'est de faire ça, t'arrives aux pompes comme ça, hop, tu mets comme ça, et après, tu fais, par exemple, une petite edit comme ça, et tu lui mets une grosse balle dans sa gueule. Et moi, tous les jours, eh ben, je le fais pour m'entraîner à edit plus rapidement et pouvoir caler des bonnes balles. Bien sympathique. Oh, what the fuck, tire gros. Et voilà, je t'ai montré un peu le tour, hein. Bon, il y a tellement de moyens de s'entraîner. Il y a quoi là-bas? Ça a l'air sympathique, ça, gros. Oh, 2 secondes. Ah, tu peux replacer aussi comme ça. Tu fais comme ça, hop, tu replaces. Après, tu fais ça, hop, tu replaces. Ça t'entraîne, quoi. Hop. Et après, tu mets un mur pour te protéger. Et tu fais le gros enfoiré. T'arrives là, tu fais ça. Après, tu te cales une élite comme ça. Là, tu lui mets une balle. Ah oui, je vois un peu le délire. Ah ouais, franchement, c'est propre. Hein. N'hésitez pas. Toutes les maps seront en description. Ah, t'as un peu tout, même. T'as les maps un peu à la Rider où tu peux accélérer. Oh, franchement, elle est propre. Ah, t'as un peu tout. Franchement, c'est cool, hein. Tu peux accélérer. What the fuck? C'est quoi le but là? Ah, c'est faire des élites comme ça, gros. What the fuck, c'est trop chaud. Ah oui, je vois le délire, je vois le délire. On va passer à la dernière partie. Donc, la dernière partie, c'est du solo build. C'est de s'entraîner en solo à build ou à edit. Et si t'es vraiment déter, tu peux le faire à deux après. Mais je te conseille quand même de t'entraîner un peu en solo à build. Et à faire des techniques utiles, quoi. Si vous voulez déjà une map déjà faite pour le build fight ou pour s'entraîner en solo build, n'hésitez pas à prendre cette map. C'est la map que j'ai faite, elle est vraiment cool, t'as des armes de base. En plus, tu peux tout exploser. En gros, dès que tu poses une structure, tu peux la casser comme ça, ça te fait pas bugger. Tu la poses là, hop, et tu fais ça, et là, tu t'entraînes à build, tout simplement. Au début, tu peux t'entraîner avec des double edit classiques, et après, tu peux t'entraîner au triple edit. Oh, c'est chaud, gros, c'est chaud. Tu vois, c'est chaud quand t'es pas habitué. Tu peux aussi t'entraîner à faire des comme ça. Tu peux t'entraîner à faire des monglades, c'est ça, des monglades. Ça fait peu de temps que je le fais, gros. Allez, j'ai 4B. Hop, et dès que t'es en haut, eh bah, tu casses tout. Tu peux faire des slazies aussi. Moi, le but, c'est pas de le faire rapidement. Hein. C'est pas de montrer que j'en ai une plus grosse. Non, je sais que je suis un joueur pro en build. Hein. Mais faut pas abuser, quoi. Bon, je rigole, hein, bien sûr. Tu peux faire comment? Comme ça. Oh my god! Et dès que t'es en bas, tu pètes tout. Et voilà. Tu peux tout refaire à l'infini. C'est vraiment cool. T'entraîner aussi à faire ça. Comme ça, carré. Même ça, avant, je savais pas le faire, gros. On va essayer des petites techniques. Il y a quoi d'autre? Comme ça. Hop, là. Bon, ça, c'est un peu plus chaud, c'est... Bon, là, ça va être un peu plus chaud parce que, ok, tout le monde sait faire ça, mettre le truc et hop, comme ça. Mais le but, c'est de mettre le... Voilà. Le but, c'est de mettre le mur en premier pour être protégé. C'est déjà un peu plus compliqué. Allez. Ça, même avant, les triple edit, je les faisais hyper lentement. Et là, je les fais déjà plus rapidement. Bon, j'arrive pas encore à bien les faire, mais... T'inquiète, le joueur pro est dans la place, gros. Il est dans la place. Allez, faut vraiment que je m'entraîne. Hop, hop, les G4B de père en fils, hein, tu connais. T'arrives comme ça, tu fais ça. Allez, hop, allez. Elle est trop bien, cette extend, gros. Ça te met presque pas de structure. Et après, tu peux éditer comme ça. Après, t'as la classique, comme ça. Tu fais ça, tranquillou. Tu mets bien le sol, hop, comme ça. Et après, tu fais ça. Après, tu le fais plus rapidement, quoi. Et t'es avec le cône aussi. Mais bon, c'est un peu plus merdique. Moi, j'auto le dis, glow. Et voilà, c'est RPG Gaming. J'espère que ces petites maps t'auront plu. Parce que moi, j'ai kiffé en faire une vidéo. Et franchement, c'est sympathique. Tu fais ces maps, tu vas vraiment t'entraîner. Je te les garantis. C'est quoi ce son? Oh, calme-toi, gros. Calme-toi. Oh, ça date les quads. Allez, avance. Comment on fait pour accélérer? Avance. Merde, je suis con. Ah, merde, putain, je suis handicapé. Ah, ça date, ça. Allez, là, là, là. Voilà, n'hésite pas. Abonner, à laisser un pouce bleu, à souscrire à ma chaîne et à me dire dans les commentaires si tu veux d'autres types de vidéos, d'autres tutoriels Fortnite, t'inquiète pas, j'en ai plein. Du moment qu'il y a un retour et que les gens aiment, ça me fait super plaisir. Allez, à plus les bannières des plaines et ciao tout le monde! Filme mes pieds.
pieds.